Bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Great Ace Attorney Chronicles, toujours en attente de Tears of the Kingdom. J'espère que vous allez bien. Nous allons, dans cet épisode, continuer notre compte interrogatoire de Kaidin et de Vigil. On va aller d'abord voir à nouveau les preuves, peut-être y a-t-il quelque chose que j'ai loupé. Ça non, la photographie de Vigil. Franchement, y a rien. Je vois pas de bague, je vois pas de quoi que ce soit qui pourrait être d'importance. Ça on s'en fiche. La note de démission. Chef Warden Vigil, violer les clauses de 132. Alors, pour avoir aidé à échapper la prison du coupable machin, on sait pas qui, avant son exécution, les détails de son échappe sont toujours en train de son évasion sont toujours en train d'être enquêté, une peine de coopération soit attendue. Les indications montrent que le sujet était avant l'incarcération et donc il est cru que le coupable a engagé une sorte de négociation avec les membres de la prison afin d'avoir une assistance sécurisée. Ces informations de demande une négociation sera demandée. Ah, il y a un truc là. Yann de Sin. Je sais pas si elle est. Bah, c'est là que ça va pas. Lui, c'est pas si elle est négociation et c'est marqué, il est cru qu'il y en a. Avec les membres. Donc, objection du coup. Non. Bon. Eh bien, d'accord, alors le jeu. Ce n'est pas ça. Le jeu n'est pas d'accord avec moi. Bah, je ne suis pas d'accord avec lui, mais c'est pas grave. C'est le jeu qui a raison, là, pour le coup. Revoyons les autres preuves, alors. Moi qui me dis quelque chose d'autre. Il n'y avait rien. Ah, c'est là qu'il va falloir présenter quelque chose. Il y a cette truc à propos de l'encre, on n'a pas de truc d'encre. Ouais, il y a un truc là, hein, sur ça, il avait rien avec de quoi négocier. Il me semble qu'il n'avait pas de quoi négocier. Je sais pas. Vous avez une idée, vous? Y a un truc qui va pas, qui me dit le jeu. On va céder, hein. Là, pour le coup, j'ai pas. C'est probablement sur la dernière ligne. Ok. Il va présenter l'autopsie? Non. C'est papier? C'est papier. Pourquoi les papiers? Je les ai même pas considérés. Parce que j'en ai parlé, mais je les ai pas considérés, c'est-à-dire. Maintenant qu'on a, on va essayer d'y réfléchir. Pourquoi les papiers d'Asogi? Il avait rien à négocier. Ben, il a pu négocier, mais. Ah, c'est peut-être pour ça. Il demande que, à sa mort, toutes ses possessions soient envoyées à son fils.
rien à négocier. C'est bizarre quand même. Ouais, non, je comprends pas pourquoi. Mais objection quand même. Confesser sous serment des meurtres qu'il n'a pas commis avec l'assurance verbale qu'il serait plus tard échappé de prison. Oui, ça c'est une connerie. Hein. C'est une connerie. Hein. Genshin Asogi prenait un risque incroyable ici. Il est vrai. Il n'y avait rien qui pouvait arrêter les Anglais de casser leurs mots, leurs paroles, et de l'exécuter pour derrière en fermeux procès de toute façon. Sous des circonstances normales, aucun homme n'aurait accepté de mettre sa vie sur un accord comme celui-ci. Ce qui veut dire que M. Asogi devait avoir une carte à jouer. Quelque chose qui le garantirait qu'il ne serait pas trahi. Une sorte d'arme. Quoi ? Cet homme ne pouvait possiblement rien avoir comme ça, de tel. Vous savez que c'est le cas, gouverneur. Les papiers d'Asogi. Les noms qui ont été donnés aux dernières volontés et testaments de Genshin Asogi. Ah. Il semble que M. Asogi cachait quelque chose dans sa cellule au Barclay. Le chef gardien vigile l'a attrapé ce jour-là. Hein, qu'est-ce que t'as fait, Tuara? Tu peux pas garder un secret? Ah là là, il agresse le témoin. Vous ne pouvez pas me toucher maintenant. Quand Monsieur Vigile a eu vent, enfin a vu plutôt ce qu'il avait vu, ce qui se passait derrière les barreaux de la cellule du coupable, Monsieur Asogi a déclaré avec le gardien. D'accord alors, mais qu'est-ce qu'il y a sur le papier? Ma dernière volonté et mon témoignage, mon testament pardon. Cela sera ma seule arme qu'il me reste désormais. Une arme. Et après que le coupable ait été tué à la suite de son évasion élaborée, le document a mystérieusement disparu, n'est-ce pas? Mais, eh bien oui. Tous les gardiens de prison l'ont recherché. Avec ses affaires dans sa cellule, mais cette volonté ne pouvait être trouvée nulle part. De la façon dont je le comprends, une cherche a été faite pour le document en tant que, enfin, et qui était connu pour être les papiers d'Asogi. Papiers Asogi. Gouverneur Kaidin. Il me semble que vous avez ordonné à vos membres de la prison de le trouver à tout prix, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que j'aurais raison de dire que vous le saviez? Vous saviez que les papiers Asogi avaient le potentiel de réaliser de grandes vagues d'une manière ou d'une autre. Mais de quoi parlez-vous? La volonté a été trouvée. Juste là. C'est pas les bonnes en fait. C'est pas les vraies, c'est des fausses. Dans la cellule de cet homme, là où elle devait être. Mais comment est-ce possible? Où dans sa cellule? Nous avons cherché partout, de haut en bas. Eh bien, tu n'as pas fait un bon travail alors. Ouais, il a écrit lui-même sa propre volonté. Hein. Vous pouvez me critiquer maintenant. Je vous l'ai déjà dit maintenant, n'est-ce pas? Oui, tu nous l'as montré, mais c'est des faux en fait. J'ai le document juste là. C'est écrit en japonais et cela déclare la volonté et le témoignage de Genshin Asogi. Ce qui veut dire tout et seulement ce que ça devrait être. Pas vraiment, votre honneur. Voyez-vous, il y a une incohérence indéniable ici. Quoi ? Quelle incohérence ? Monsieur Asogi a décrit ce document comme étant sa dernière arme. Et pourtant, ce témoignage ne contient rien, enfin oui, cette volonté ne contient rien de signification du tout. Il n'y a rien d'intérêt dedans, en effet. Rien qui ne pourrait donner au coupable un quelconque moyen de pression. Êtes-vous en train de suggérer, mon cher ami,
que cette dernière volonté et ce testament, préservé à la prison Barclay toutes ces années, est en réalité un faux. Bah oui, on n'est plus à ça près. Hein. On n'est plus à ça près. Comme cela a déjà été démontré, ce qui s'est déroulé à la prison Barclay était bien au-delà de droit chemin. Cette dernière fausse déclaration de la défense est un affront envers le système légal anglais, l'entièreté du système. Ben en même temps, oui, hein, t'es un peu corrompu, mec. Cette notion absurde d'armes est quelque chose à laquelle seul le gardien en chef a eu vent. Cet homme pourrait facilement mentir, ou du moins se tromper. Mec, tu lui as déjà fait porter le chapeau d'un truc qu'il a pas fait. Tu lui as fait perdre son boulot. Il a failli se suicider. Enfin, il a tenté de se suicider. Il vit une vie de merde depuis 10 ans. Là, tu le dis, mais il ment. Yes. Quoi ? Non, je l'ai définitivement entendu me dire ça, je le jure. Clairement, nous devons aller au fond de cette affaire. Nous devons savoir exactement ce qui s'est déroulé, avec ce qui s'est réalisé, enfin ce qui s'est passé plutôt, avec ces soi-disant papiers d'assogi. Une perte de temps. Si la volonté est fausse, où est le vrai document ? Objection. Monsieur Vigile a été poignardé dans le dos par le système judiciaire il y a 10 ans. Il a tout perdu. Presque même sa propre vie. Point d'exclamation. Et maintenant, vous êtes en train de le faire à nouveau. Vous êtes prêt à le discriminer en tant que menteur et lui tourner le dos à nouveau sans même le laisser le temps de se défendre. Il est clair que la prison de Barclay cache quelque chose. Il est clair que l'évasion a été pensée par quelqu'un du bureau du procureur. Il est clair qu'il y a une négociation illégale. Le Lordship devrait le voir. Qu'est-ce que vous avez dit ? Nous devons testify, évidemment. Faites-le témoigner à nouveau. Le procès doit continuer. Il semblerait qu'il y ait des personnes vocales ici qui parlent donc. Qui veulent découvrir la vérité. Bah oui, c'est logique. Très bien alors. Que le témoin témoigne à nouveau. Laissez parler la cour précisément. Enfin, dites à la cour précisément ce que vous pensez par rapport à ce que vous avez vu dans la dernière volonté et le témoignage du coupable. Oui, monsieur. Votre honneur. Témoignage du témoin. Les papiers assoumis. Alors, en tant que gardien responsable condamné des victimes condamnées, je devais garder Monsieur Assogi sous un œil avisé. La nuit après qu'il était trouvé coupable en salle d'audience, il faisait quelque chose à l'intérieur de sa cellule. Nous avons retourné la cellule pour la chercher après son exécution, mais sans succès. J'ai seulement trouvé les papiers de Assogi après qu'une directive m'a dit d'aller les chercher. Bah, c'est bizarre ça. Le document était dans les poches de la robe du gars qui avait été laissé dans sa cellule. Un kimono, je crois que c'est appelé. Oh bah tiens, comme c'est bizarre, ils ont pas trouvé les papiers et maintenant ils les retrouvent dans son kimono. Mais c'est un mensonge. Nous avons cherché chaque pouce de la cellule de cet homme. Nous avons regardé dans tous ses habits, ça ne peut pas être vrai. Est-ce que vous êtes satisfait de m'appeler un menteur une fois de plus, hein ? Ah, mais il n'y a rien que je peux faire maintenant. Tu n'as aucun poids contre moi désormais. Et rien d'autre que de me tenir sur ma cravate, évidemment. Hein ? Qu'est-ce que vous allez faire alors ? Il se secoue lui-même, j'adore. Est-ce que vous allez me faire bouger à nouveau, hein ? Vous avez trop peur. Yes. Petit et large, un double acte. Nous sommes d'accord pour dire que...
Non, we complied with Asogi's will as far as, as possible. Ok, nous avons donc réalisé la volonté d'Asogi du mieux que nous puissions. Tous ses effets personnels ont été délivrés à sa famille au Japon. Une courtoisie envers le pays natal d'un des tueurs les plus notoires de notre pays, que notre pays n'a jamais vu. À côté, c'est un mini, hein, le professeur, par rapport au faucheur. Et vous n'étiez bien obligé. Je peux confirmer que toutes les affaires de mon père sont arrivées chez nous. Et tu ne peux pas renier l'écriture de ce vieil homme, non? Tu reconnais? Oui, il n'y a aucune erreur là-dessus. C'est le travail d'écriture de mon père. Vraiment? Et cette dernière volonté, la dernière arme de votre père, c'est ça? Je peux, avec certitude, présumer que le coupable était... faisait semblant de dire quelque chose, sachant que sa fin était proche. Faisait croire qu'il avait une autre arme, quoi. Donc, conseil de la défense, votre contre-interrogatoire, s'il vous plaît. Paf. Oui, votre honneur. Les papiers Asogi. À sauvegarder. Ah non, j'ai déjà fait ça. Je devais voir. Je devais le garder dans la cellule. Lui avant sa culpabilité, il fait quelque chose. Nous n'avons rien vu. Seulement vu à propos. Après une directive, mais dit de les trouver. Kimono. Ah bah là, j'en sais rien. Un instant. Cela voudrait dire que vous avez réalisé une conversation avec Monsieur Asogi. Oui, certainement. Même si il lui restait un précieux petit temps avant son exécution. Il était remarquablement calme, considérant que ses jours étaient encore comptés. En toute honnêteté, il ne m'a pas paru être un homme capable d'être un serial killer. Et pourtant, il a confessé l'entièreté de ses crimes. Je sais, c'est pour ça que j'ai eu la sensation de devoir lui demander ce jour-là. Je me rappelle lui de sa réponse. Je suis coupable d'avoir, du crime impardonnable, d'avoir tué quelqu'un, enfin un autre humain, oui. Il a peut-être tué Clint Van Zyck, qui était le vrai professeur, en fait, peut-être. C'est peut-être Clint qui était le vrai professeur. Donc il a peut-être effectivement tué Clint Van Zyck. Mais il était si tranquille et intelligent, cela fait naître en moi. Il fait lui une Eastern Oriman. Ouais, ça me met dans l'esprit d'un homme de l'Est sacré. C'est possible hein, que si ça se trouve, Asogi, il ait découvert que c'était Clint Van Zyck, le professeur. Il l'a confronté. Il s'est fait attaquer pour se défendre et l'a buté, mais avec l'épée. Tchac. C'est possible ça. Donc il est coupable en effet d'avoir tué Clint Van Zyck qui était lui-même le professeur. C'est une possibilité. Qu'en est-il de son témoignage, enfin de sa volonté que vous avez vu avec lui? Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos de ça? C'était le début de tout ce drama, je me rappelle très bien, oui. Il faisait quelque chose dans sa cellule.
et vous avez négocié avec lui de ne pas le dénoncer, c'est ça? Oui, c'est cela. Et comme je sais pas quoi, vous ne l'avez pas dit. Une confiance blatante, évidemment. Bah, vu comment tu lui as poignardé derrière, franchement... Je pouvais voir le noble esprit de cet homme. Je me suis trouvé... volontiers... Je lui ai donné cette... Je l'ai traité donc avec la même gentillesse, on va dire. Mais, en se basant sur ce que vous nous avez dit il y a 2 jours... Le coupable... avait été strictement interdit d'avoir la possibilité d'écrire quelque chose, quoi que ce soit. Oui, vous avez raison. Ah. Donc quand exactement a-t-il eu un stylo? C'était avant que cet homme ait été incarcéré, évidemment. Oui. Au bureau du procureur, sous la supervision des autorités compétentes. J'ai personnellement demandé à ce guide de réaliser une volonté au bénéfice de sa famille dans son pays natal. Oh bah tiens, t'es bizarre. Tu t'es créé un alibi, Strongheart. Dans ce cas, qu'est-ce qui a été trouvé dans sa cellule? Pourquoi a-t-elle été trouvée dans sa cellule? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bah oui. S'il a été écrit dans le bureau du procureur, vous attendriez à ce qu'il reste là-bas pour être bien gardé, certainement. Ah, c'est curieux. En effet, c'est très étrange ça. Il ne semble pas y avoir d'explication évidente de pourquoi d'un coup elle se retrouve dans la cellule du coupable. La défense fait un point absolu, n'est-ce pas, gouverneur? Un gouverneur de prison ne peut pas s'attendre à connaître les travaux du bureau du procureur. Dans ce cas, Lord Strongheart, peut-être pouvez-vous nous éclairer sur le sujet. Je ne suis pas capable d'offrir une explication pour le moment. Ah bon? C'est problématique, ça. Je devrais consulter avec le notaire responsable du testament à ce moment-là. Et évidemment, il est mort. Le fait est que le testament de mon père a été découvert dans sa cellule et une incohérence claire sur ce qui devrait être attendu. Je veux savoir pourquoi. Un autre mystère inexplicable, alors. Le truc à propos de cette volonté, c'est que nous l'avons recherchée après son exécution, mais nous n'avons pas réussi à la trouver. C'est le gouverneur qui a ordonné cette recherche pour les dernières volontés, j'ai cru comprendre, c'est cela. Oui, mais pourquoi il a demandé de faire des recherches alors qu'il n'était pas censé pouvoir écrire? Oui, et j'ai rapporté que nous ne pouvions pas la trouver. Il m'a attrapé par la cravate et m'a dit « ça ne peut pas complètement avoir disparu. » Oui, eh bien, c'est le travail d'un gouverneur de faire en sorte que les gens travaillent aussi fort qu'ils le disent. Enfin, aussi bien qu'ils le disent, bien sûr. Je crois que le gouverneur a besoin d'un goût de sa propre médecine, Naryudo. Le point est que cela a été clairement considéré comme un document très important, n'est-ce pas? Mais cela s'est montré être impossible à trouver. Mais vous n'étiez même pas censé savoir qu'il y existait, puisque personne ne vous a dit qu'il existait et que personne n'était censé lui donner de quoi écrire. Donc c'est pas cohérent que vous recherchiez un truc alors que vous n'y pouvez pas exister. Vous avez raison. Et avant que je ne le sache, c'était dans les papiers du matin. L'article au sang maudit, oui. Le mass murder exécuté qui se levait d'entre les morts. Ah, vous voulez dire l'article basé sur l'expérience de Monsieur Draper dans le cimetière de Lowgate? Oui, c'est cela. Le jour avant que je n'ai lu la nouvelle, j'ai été convoqué par le bureau du gouverneur. Et c'est là que cette accusation horrible a été faite.
que vous avez aidé Genshin Asogi à s'échapper de la prison en résultant à votre renvoi immédiat. J'en ai bien peur que je me rappelle pas de tout cela après, de tout après cela. En tant que gouverneur de la prison, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas permettre. Je ne pouvais rien faire d'autre. Ouais. Comment trouver les papiers? Cette directive est venue d'une source, de la même source qui vous a demandé de réaliser l'évasion. Oui. Les plus hauts niveaux du professeur du bureau du procureur. Ben, y a que Maël, hein. Et quel nom était dessus? Je ne le sais pas avant, je ne le sais pas maintenant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes ordres étaient de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour trouver ce document. Mais en fait, c'est pas possible. Tu suis des ordres qui te demandent de briser la loi et tu sais même pas qui c'est qui te les envoie. Ça va pas là. Quand bien même tu sais qui c'est qui te les envoie, normalement t'es pas censé le faire. Mais... La directive disait qu'elle était à l'intérieur de la cellule du gars. Document. Était-ce le mot document? Pas will. Pas testament. Oui. C'est ce qui était dit. Est-ce que j'ai remarqué quelque chose d'important ici? Je me demande si c'était vraiment la dernière volonté de Genshin Asogi que l'envoyeur recherchait vraiment. Eh bien, continuez avec témoignage. Rechercher la dernière arme plutôt. Un instant. Dans le kimono de Monsieur Asogi. Oui, celui qu'il avait apporté avec lui lorsque nous l'avons enfermé. Oui, il a été autorisé à avoir ses effets personnels avec lui durant son incarcération, c'est ça? C'est cela. On lui a donné le plus de liberté possible durant les peu de jours avant son exécution. En effet, il avait un nombre d'objets personnels significatifs, je m'en rappelle. Il était très important pour lui de partir avec ses livres, son kimono et son épée. Son épée, Karuma, la fameuse épée du clan Asogi. Elle porte l'âme de ma famille. Je n'en doute pas que c'était... Je n'allais pas vraiment sur ce point-là. L'âme du clan, l'homme ne pouvait pas avoir une arme plus évidente. Et un peu de respect, Rinosuke, oui. Mec, il est emprisonné et on lui donne une lame. Un silence respectueux. L'aile. Condamné pour meurtre, on lui donne un... Tranquille, on lui laisse porter son sabre, très bien. Alors, les gardiens ont des pistolets en tout temps, et les autres détenus ont des couteaux dans chaque... Oui, bref, ils sont armés jusqu'au cou, quoi. Ils n'auraient pas pu blesser quiconque avec ça. Cela dit, si on lui a autorisé une épée, pourquoi aucune possibilité d'écrire? Oui. Et surtout, pourquoi il a écrit cela avant qu'il n'ait venu avec nous au Barclay, voyez-vous? Docteur Mikotoba a été demandé d'apporter les possibilités d'écrire, enfin bref, la plume, pour au bureau du procureur, pour qu'il puisse écrire en japonais. Une encre noire de Suzuri, l'encre Sumi Black et du riz de papier. Du papier de riz, aucun doute. Ah, il y a une encre là. Il y a une encre sur Clint. Bizarre. Je pense qu'il a vraiment tué Clint Van Dyke, mais c'est parce que c'était professeur. Je vois que cette explication là. J'ai été présent le moment lorsqu'il l'a écrit. Mais je suis désolé de dire que les lettres semblaient juste être faux pour moi. Enfin, ils ne semblaient rien dire pour moi. On va s'arrêter là pour cet épisode de The Great Ace Attorney Chronicles. On se retrouve dans le prochain pour la suite.
Ciao, ciao tout le monde.